ragazzi, amici di Yoga Italy, siamo qui a Minsk e siamo con quelli che sono considerati i nostri cugini, la Francia. Nous sommes ici avec Angelina Nava. Bonjour Angelina. Bonjour. Elle est très très jolie, è molto molto bella. Tu es là pour représenter ton pays à ce concours. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Je suis vraiment très fière de pouvoir représenter mon pays. C'est vraiment un très grand honneur pour moi et vraiment il y a vraiment une ambiance super à l'Eurovision Junior et j'adore. Angelina ovviamente è contentissima di rappresentare il suo paese in questo bellissimo concorso, è un grande onore per lei avere questo bellissimo compito. Il y a beaucoup d'enfants de l'Europe entière. Est-ce que tu as connu de nouveaux amis? Je me suis fait beaucoup d'amis dans les pays, d'autres pays. Et c'est vrai que j'ai beaucoup sympathisé avec la Géorgie et l'Albanie. Angelina ovviamente si è fatta moltissimi amici e soprattutto con le ragazze della Georgia e dell'Albania. Je sais que tu as aimé le chant, la musique, tout d'abord dès ta naissance, mais tes parents n'étaient pas dans dans la musique. Ok, mais tu chantais dans la voiture, partout. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ta passion tout d'abord? En fait, ils sont très compréhensifs et dès qu'ils m'ont entendu chanter, ceux qui m'ont proposé si ça me plairait de prendre des cours de chant, et moi j'étais tout à fait d'accord. Et dès le premier cours de chant, j'ai adoré et après j'ai continué. E ma j'en suis là. Angelina ha avuto dei genitori meravigliosi perché anche se loro non erano nel campo della musica, lei ha manifestato subito questa passione, cantava nella macchina, ovunque, e i suoi genitori le hanno proposto subito di prendere lezioni di canto. Ovviamente lei è stata subito d'accordo. E tu as gagné un concours très important en France, c'est vrai? Oui, j'ai pu gagner The Voice Kids dans mon pays, en France. Lei ha, prima di venire qui, ha vinto un concorso importantissimo, il più importante talent show per bambini in Francia, quindi pensate un po'. E ta chanson s'appelle Jamais sans toi. Jamais sans qui? Jamais sans ma meilleure amie en particulier, parce que j'ai voulu faire cette chanson pour ma meilleure amie, Pauline. Pauline? Allora, la canzone di Angelina, che si intitola Jamais sans toi, mai senza di te, è dedicata all'amicizia, ma in particolare alla sua migliore amica che si chiama Pauline. Allora, maintenant tu dois attendre, te préparer pour les concours. Alors nous te disons au revoir. Et est-ce que tu veux envoyer un bonjour à tous les amis en Italie? Oui, arrivederci. Mi chiamo Angelina. Fantastica, merci Angelina. Merci. Ciao, ciao a tutti.